Bonjour, on va traiter un exercice de l'arithmétique. L'exercice est le suivant, soit x à l'entier naturel, vérifiant e, 9 puissance x est congruent du modulo du 7. Vérifions quand que 9 puissance x plus 1 est congru à 1 modulo du 7. Bon, on a 9 puissance x plus 1 est égal à 9 puissance x multiplié par 9 qui est congru, 9 puissance x est le congruent du modulo du 7, bon multiplié par 9, cela implique que 9 puissance x plus 1 est le congruent, 9 multiplié par 2 c'est 18, 18 c'est 1 plus 17. Modulo 17. Et comme 17 est un multiple du 17, alors il est congruent sur le modulo 17. Cela implique que 9 puissance x plus 1 est le congruent à modulo 17. Bon, B. Montrons que 9 puissance 16 est. Montrons que 9 puissance 16 est le congruent à 1 modulo du 7. Bon, on a 17 est un nombre, pardon, on a 17 est un nombre premier et du 7 ne divise pas 16. Ne divise pas 9. Donc, d'après le théorème, puissance 17 moins 1 est congru à 1 modulo du 7. Cela implique que 9 puissance 16 est congru à 1 modulo du 7. Voilà, c'est d'après le théorème de Fermat. Pour la deuxième question, soit-il le plus grand commun diviseur de 16 et x plus 1. 2. Soit D. Le plus grand diviseur commun de 16. X plus 1, pardon. Donc, petit A, montrant que 9 puissance D congruent à 1 modulo du 7. Montrant que 9 puissance D congruent à 1 modulo 17. Bon, on a dit égal le BGCD de 16 et 5, donc il existe
résultat appartenant à n carré tel que 16 est égal à t alpha, x plus 1 est égal, pardon, x plus 1 est égal à d bêta et alpha bêta est égal à 1. Bon, vous pouvez juste citer. Pardon. Et le BGCD de alpha et bêta est égal à 1. Bon, le BGCD de alpha et bêta est égal à 1. D'après le théorème de Bézout, fonction exclusive alpha. Bon, on va écrire pardon, alpha. Donc l'un des nombres U V est négatif. L'un est négatif. Les deux ne peuvent pas être négatifs, sinon on aura la somme de nombres négatifs qui est égale à un nombre positif. Ceci pour ce nombre est différent de 0. Donc, est négatif, U et V, l'un des nombres U ou V est négatif. Un seul, c'est pas tous les deux. Donc, si U est négatif, alors moins U positif. Bon, il est sélectionnement positif, sinon on aura bêta alpha est égal à 1, donc bêta est un diviseur de 1, alors est un diviseur de 1, donc là est égal à tous les deux sont à peu près le même signe, là est égal à 1 et l'autre est égal à moins 1. Parce qu'ils sont des entiers relatifs. Bon, donc, on va multiplier les deux membres de cette égalité par V, pardon, que cela implique que du alpha U plus D bêta multiplié par V est égal à D. Cela implique que D alpha n'a rien d'autre que 16, l'autre n'est rien que x plus 1, v est égal à d.
Cela implique que x plus 1 va être égal à d plus 16 multiplié par moins u. Moins u, il est positif. V, il est bon, moins u positif, v positif, moins u positif. Donc, 9 puissance x plus 1 v, il est égal à 9 puissance d plus 16 moins u, qui est égal à 9 puissance d multiplié par 9 puissance 16 tout puissance moins u. Cela implique que 9 puissance x plus 1 plus 2 puissance v est égal à 9 puissance d multiplié par 9 puissance 16 plus 2 puissance moins u. Cela implique 9 puissance x plus 1 il est congru à 1 modulo 17 moins 9 d multiplié par 1 puissance moins u modulo 17. Cela implique 1 est congru à 9 puissance d modulo 17. Cela implique que 9 puissance d est congru à 1 modulo 17. Bon, on va éclaircir cette étape. On a A est congru à 9 puissance d modulo 17, cela implique Q17 divise par moins 9 puissance 10, cela implique que 17 divise 9 puissance 10 moins 1, c'est-à-dire l'opposé de son nombre. Cela implique que 9 puissance 10 est congru à 1 modulo 17. Bon, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Bon, on déduit que d est égal à 8 ou d est égal à 16. Déduisant que d est égal à 8 ou d est égal à 16. Bon, maintenant, d est égal à plus ici d 2, 5, donc d premier est positif et d divise 16. Cela implique que 2 appartient les divisions positives de 16 sont 1, 2, 4, 8, 16. Bon, D n'appartient pas à 1, 2, 4. En effet, si d est égal à 1, on a 9d est congru à 1 modulo 17, cela implique, on aura 9 puissance 1 est congru à 1 modulo 17.
Ceci est faux. Car la féricongla n'a fondu du 17. Et 9 différentes de 1. Donc je dis plus pas ce qui est là. Moins 17, c'est moins 4 au carré, c'est 16, oui.
16. Bon. Faut 10 égale à 8 de noir. Bon, 9 puissance 8, il est congru à 9 puissance 4, 2 puissance, il est congru à 16 au carré au lieu du 7, pardon. Cela implique 16, c'est moins 1 au carré au lieu du 7. Cela implique que 9 puissance 8, il est congru à au lieu du 7. Donc, tu peux être égal à 8. Oh non. Aussi, 9 puissance 16 est égal à 9 puissance 8. Le 2 puissance 2 qui est congru à 1 au carré modulé du 7. Cela implique que 9 puissance 16 est congru à 1 modulé du 7. Donc, DE est égal à bon, donc. D appartient à l'ensemble de mes éléments sont bon, à la paire 8, 16. Bon, on passe à la question suivante. Bon. On a on a 9, puissance x plus 1 est congru à 1 module du 7. 9 puissance 8 est congru à 1 module du 7. Cela implique que 9 puissance x moins 1 moins, pardon, 9 puissance 8 est congru à moins 1 modulé du 7. Cela implique que 9 puissance x moins 1 moins 9 puissance 8 est congru à 0 modulé du 7. Cela implique D, il peut être égal à 8, D, bon, divise. DB est égal à 8 ou 16, comme D divise x plus 1, car c'est un divisé commun x plus 1 et 16, alors on aura 2 puissance 9 puissance x plus 1 moins 8. Moins 1. On grâce au module 17. Cela implique que 17 divise
9 puissance 8, facteur de 9 puissance x moins 7, moins 1. Et comme 17 et 8 sont premiers entre eux, il y a 3 dents. Alors, 17 et 9 puissance 8 sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème, x moins 7 moins 1 congruent selon le dérivé 17 cela implique que la puissance x moins 7 est congru à 1 modulo 17. Bon, on a 9 puissance 1 est congru à 9 puissance 1 modulo 17. 9 puissance 2 est congru à 81. 81, on a déjà montré qu'il est congru à 13 modulo 17. 9, 6. 8 au carré, 64. 64, oui, c'est compté là, oui. 9 puissance 3, il est congru. 26, bon, moins 4, multiplié par 9 modulo 17, cela implique 9 puissance 3, il est congru. Moins 36, moins 36. 6 moins 34, moins 2, c'est 15. Modulo 17, 9 puissance 4, il est congru à moins 2 multiplié par 9, modulo 17, cela implique moins 18, c'est moins 1. Donc 9 puissance 4 est congru à 16, modulo 17. Bon, moins 18, c'est moins 1 plus 17, c'est 16. 9 puissance 5, il est congru. 16, c'est moins 1. Moins 1 multiplié par 9, modulo 17. C'est moins 9. Moins 9. Plus 17, c'est 8. Bon. 9 puissance 6, c'est le congrès à 8 multiplié par 9 modulo 17, qui est congru, modulo 17, cela implique que 9 puissance 6, c'est le congru, 72, bon 68, c'est 4, modulo 17, 9 puissance 7, il est congru à 4 multiplié par 9 modulo 17, 36 et 2. Bon, 1, 2 modulo 17. Cela implique donc 9 puissance 7.
Monaf 808 et le congrès à 2 multiplié par 9, module 17. Cela implique que 9 108 et le congrès 18, c'est 1 module 17. Donc la période, c'est 18. C'est 8, pardon. Donc, on déduit que 9 puissance 8K du congrès en module 17, 9 puissance K plus 1 et le congrès 9 en module 17, 9 puissance K avec un entier naturel, 8K plus 2 et le congrès à 13 en module 17. Plus 3, le congrès 15 module 17, 9 puissance 8K plus 4, et le congrès à 16 module 17, 9 puissance 8K plus 5 et le congrès à 8 module 17, 9 puissance 8K plus, ceci le congrès à 4 module 17. Donc, puisque 8 est la période, alors, on déduit que si 9 puissance A est congru à 1 module 17, cela implique que A de 18, on a 9 puissance x moins 1 du congrès à module 17. Cela implique que x moins 1 est de la forme k 8 moins 7, pardon, moins 7. Cela implique que x égal à 8K, bon, et congru, pardon, à 7 plus 8K. Si la puissance x moins 7, car on n'a factorisé pas 9 puissance 8, donc 9 puissance 8 facteur de x plus 1 moins 8 est égal à x moins 7. Voilà, on a 9 puissance x plus 1 est congru à 1 module 17, 9 puissance 8 est congru à 1 module 17, 9 puissance 8 facteur de 9 puissance x plus 1, moins 1 est congru à 0 module 17. Donc ici, pardon, moins 8. Donc, moins 8, on a appliqué déjà ce travail. On a 17 divise 9 puissance x moins 7, moins 1. Voilà. Si x, maintenant si d est égal à 16, si d est égal à 16, bon, on a 9 puissance 16, il est congrès à un module d'après Fermat. Et 9, bon, il est congrès à un module 17. Et 9 puissance x plus 1, il est congrès à un module 17. Bon, cela implique
9 puissance x moins 0, 9 puissance 16. Et le congrès 1 moins 1, si 0. Cela implique, bon, D divise. Si vous avez le BG, c'est dx plus 1 plus 16, alors D divise x plus 1. Donc il est inférieur à 16. Il est inférieur à x plus 1. Donc on aura 9 facteur de 9x plus 1 moins 16 moins 1. Et le congrès 0 du 17. Bon. Donc, pardon, 17 divise 9 puissance 16 facteur de 9 puissance x moins 15 moins 1. Bon, et comme 17 et 9 puissance 16 est égal à 1. Bon, car 17 et 9 de plus ici est égal à 1. Alors, et comme, car, donc, d'après le théorème de Gauss, alors 17 divise 9 puissance x moins 15 moins 1. D'après le théorème de Gauss. Bon. Bon, dépendant, on peut le faire autrement. On a D est égal à BGC du 2 et 16. Bon, si D est égal à 16, alors si D est égal à 16, alors X plus 1, alors 16, pardon. 16 divise x plus 1. Cela implique bon 16 plus 1 que x plus 1 est congru à 0 modulo 16. Cela implique que x est congru à moins 1 modulo 16. Cela implique que x est congru à moins 1 plus 16 modulo 16. Cela implique que x est congru ici à 15 modulo 16. Bon, sans passer par chercher les puissances, pardon.
le risque de la division de 9 puissance k par 9, on peut utiliser ce résultat. En avant, on peut, d'après la question précédente, on peut faire ça pour 8. Bon, si mon site dit égal à 8, on a D, donc on aura, bon, on a D divise X plus 1, cela implique que 8 divise X plus 1. Cela implique X plus 1, et le congrès 0 modulo 8, cela implique X congru à moins 0 modulo 8, cela implique X congru moins 1 plus 8, modulo 8, cela implique X congru à 7 modulo 8. Bon, cette méthode est meilleure que le poisson de 9, on peut utiliser directement ce résultat. Bon, pour la question, pardon, la réduction, on peut répondre à cette question en utilisant le fait que le BGC D divise, divise le terme, car c'est le plus grand diviseur commun. D divise 16 et D divise X plus 1. Si D est égal à 16, alors 16 divise X plus 1. Pour l'autre, si D est égal à 8, D divise X plus 1, donc 8 divise X plus 1, cela implique X plus 1 congru à 0 modulo 8. Donc X congru à moins 1 plus 8, donc si 7. Voilà. On peut utiliser cette déduction sans passer par la puissance de 9. Bon, c'est la déduction. Maintenant, la troisième question. Bon, si X est solution de E, d'après ce que précède, si
Bon, maintenant on va vérifier que si les éléments vérifient la solution. On a x puissance 7 plus 8k est égal à x puissance, bon, 9, pardon, est égal à 9 puissance 7 multiplié par 9 puissance 8k. Donc, 9 puissance 7 est congru à 2 modulo du 7. 9 puissance 8, d'après ce que précise l'élément, il est congruent à 1 modulo. Donc on aura 2 multiplié par 1 modulo du 7. D'où 9 puissance 7 plus 8k, il est congruent à 1 modulo du 7. Cela implique que 7 plus 8k est une solution de E. Bon, maintenant on peut vérifier l'autre. 9 puissance 15 plus 16k est égal à 9 puissance 15 multiplié par 9 puissance 16k. D'après l'hypothèse, 9 puissance 15 est congruent à 2 modulo du 7. Et 9 puissance 16, d'après ce que précise, c'est 1 puissance 15 modulo. Bon, ici on peut mettre 1 puissance 15 modulo du 7. 1 puissance 15, c'est 1. Cela implique que 9 puissance 15 plus 16, car il est congruent à 2 modulo du 7. Donc, cela implique que 15 plus 16k est une solution. Qu'il a réciproque est vrai. On a si x est solution de l'équation 9 puissance x congrue à 2 modulo du 7, on a trouvé que x est congrue à 7 modulo 8, x est congrue à 15 modulo 16, pardon, modulo 16 ici, j'ai oublié, modulo 16. C'est-à-dire, il appartient à cet ensemble. Maintenant, bon, voilà, on a vérifié l'inverse, on a trouvé que les éléments du seul de ce type, 9 puissance 8k est une solution de E et 15 puissance 16k est une solution de E. D'accord. Donc, l'ensemble des solutions troisième question, on dit que x est égal à 7 puissance et congrès à 7 modulo 8 et x est congrès à 15 modulo 16. On a utilisé deux méthodes, mais la deuxième méthode est meilleure que la première car ici on a utilisé le fait que d et le bgcd 2, 16 et x plus 1, donne les deux résultats. Bon, enfin voilà pour cet exercice, merci pour votre attention, à la prochaine.